Il m'entend? Jean-Dominique? C'est Papinou. Je suis assis devant la fenêtre ouverte. Comment vas-tu? Ou est-ce que c'est une question idiote? E-S-A-R-I-N-T-U-L-O. E-S-A-R-I-N-T-U-U. Oui, c'est une question idiote. Tu me manques. C'est impossible de tenir une conversation comme ça. J'oublie tout ce que je voulais dire. Non. Non, je me souviens. Je t'ai envoyé un cadeau. Oui, c'est une surprise. Oui, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à nous. On est dans le même bateau. Moi, je suis coincé dans cet appartement. Je ne peux pas monter ou descendre les escaliers. Essaie un peu de descendre 4 étages à 92 ans. Tu vois, nous sommes tous les deux des locked-in syndrome. Toi, prisonnier de ton corps, moi, de mon appartement. Et Jean-Dominique, n'oublie pas, dans le tiroir en haut à droite de mon secrétaire, il y a une lettre. Oui, ce sont mes dernières volontés. Elle est dans un dossier. Marqué divers. Il faut que je te quitte. E-S-A-R-I-N-T-U-L-O-M-D. P-E-S-A-R-I-N-T-U-L. E. Ne pleure pas. Non, c'est facile à dire. Tu es mon fils, nom de Dieu. Au revoir, Jean-Dominique. Non, je me souviens, c'est bientôt ton anniversaire. Thank you.